Alors bonjour monsieur Perrault, en quoi consiste votre métier et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ? Mon métier, c'est de faire aimer la nature. Et ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est que j'ai l'impression tous les matins quand je me lève que je fais quelque chose qui a du sens et qui est important. Alors quelle valeur importante à vos yeux souhaiterez-vous défendre par le biais de votre métier ? Le fait que sans la nature, on n'est pas grand-chose. On prend plus conscience en fait à quel point la nature nous fournit de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on peut boire, de la nourriture. Et on vit dans une civilisation qui s'éloigne de plus en plus de ces réalités essentielles. Pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer un petit peu de réduire le gap et puis de nous reconnecter un peu plus à cette nature. Quels critères sont déterminants pour composer un numéro de votre revue ? En fait, on ne suit pas tellement l'actualité politique parce que notre idée, c'est vraiment de parler de la nature telle qu'elle est, d'expliquer les problématiques, d'expliquer les enjeux, mais ouais, d'une manière, je dirais, plus apolitique. Quels étaient vos objectifs au début de votre carrière ? Au début, il faut bien imaginer, moi j'avais 11 ans et j'observais la nature, je trouvais génial. Et puis en même temps, j'ai pris conscience très vite que cette nature, tout autour de moi, je voyais sa destruction. Je me suis dit, je vais faire un petit journal. Et donc c'est parti vraiment, c'était pas un plan de carrière, j'ai jamais imaginé que ça serait mon métier. Et c'est vrai qu'au fil des années, l'objectif, il est resté en fait le même. Simplement, ce qui s'est considérablement élargi, c'est la palette un petit peu de ce qu'on fait. Parce qu'à l'époque, voilà, j'étais un petit gars qui faisait un petit journal de rien du tout. Puis maintenant, on a nos 3 revues, on sort une 15aine de livres par année. Donc, je veux dire, on a vraiment énormément élargi à la fois la palette de ce qu'on fait et puis la taille du public qu'on peut sensibiliser. Ça, je pense, c'est très positif. Votre métier est plus complexe qu'avant ou, enfin, avec la crise climatique et la crise sanitaire qu'on a vécue cette année ? La crise du Covid, c'est ce que vous avez le plus senti en fait autour de vous, évidemment, ces derniers mois. Mais voilà, dans 2 ans, à mon avis, le Covid, on n'en parlera plus beaucoup, mais peut-être qu'il y en aura un autre dans 6-7 ans. La crise climatique, c'est très différent, parce que la crise climatique, c'est quelque chose que vous percevez encore très peu dans votre quotidien. On va au-devant d'une période il va falloir être très créatif. Ouais. Alors c'est vrai qu'après, ça a un côté très angoissant. Et puis en même temps, c'est un challenge incroyable parce qu'en fait, on est vraiment un tournant de l'histoire de l'humanité. On est obligé maintenant de réinventer complètement notre civilisation. Et là, vous, comme jeune, vous avez une responsabilité parce que vous pouvez faire bouger les choses beaucoup plus que ce que vous pensez. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans à Lausanne, il y avait des dizaines de milliers de jeunes qui défilaient dans la rue. Peut-être que certains d'entre vous en étaient. Ça a vraiment secoué le monde des adultes. Donc ça, vous devez continuer. Est-ce que vous pensez que l'école a un rôle prépondérant à jouer dans ce contexte de crise écologique ? Ce qui est fondamental avec l'école, c'est qu'on touche tout le monde en fait. Nous, avec ce qu'on fait, on touche des gens qui ont déjà peut-être un début de quelque chose qui ressemble à une sensibilité ou à une prise de conscience. Mais il y a tous les autres. Et en fait, le meilleur moyen de toucher tout le monde, c'est d'agir à l'école. Ce qui est important, c'est d'être en contact pour de vrai avec cette nature, donc par exemple d'être ici cet après-midi. Parce que si on a un enseignant qui nous explique des trucs, au bout d'un moment, c'est un peu à sens unique et puis ça peut rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Tandis que si on est un groupe d'enfants ou de jeunes qui sont confrontés à un challenge et qui doivent monter vraiment un projet, ça sera beaucoup plus enrichissant pour vous. Ça vous permettra aussi d'aller beaucoup plus loin. Ces toutes prochaines années, ça va déterminer votre avenir professionnel. Et puis là, je pense que vous avez une opportunité magnifique avec tout ce que vous avez découvert dans ce projet, peut-être de réfléchir à une voie professionnelle qui ait du sens par rapport à cette transition écologique. Je pense qu'il faut quand même faire la part des choses dans votre tête et puis vous dire que voilà, effectivement, il y a des choses qui sont inquiétantes, mais que vous pouvez aussi amener des choses très positives et que c'est aussi un super challenge. Et puis que peut-être le plus important, c'est déjà d'apprécier ce que vous êtes en train de vivre maintenant avant de vous angoisser pour le futur, quoi.